Oh là. Tout droit sur les traces, danger 3. Oh non, adieu. Tu devrais être plus prudent. Bah oui, bah oui, bah bon, bah oui, si tu me donnes pas les bonnes infos aussi. Wesh, on peut... Mais non. Oh non, faut que je choisisse gauche, droite. Mais nique ta... Salut à toutes et à tous, la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans cette chaleur, bienvenue dans le désert. Dakar Désert Rally, nous y sommes sur ce jeu développé par Saber Porto et édité par Saber Interactive. Les mêmes éditeurs d'ailleurs de SnowRunner, et c'est ça qui m'a fait franchir le cap, qui m'a donné envie d'essayer ce jeu qui est sorti en 2022, donc il est quand même bien frais, bien récent. Et pour autant il n'est pas non plus sorti il y a 2 mois, mais tout de même... Vous êtes, je pense, certainement nombreux à connaître ce jeu et d'autres peut-être ne le connaissent pas. Pour ma part, je suis passé à côté et j'en suis absolument navré. Donc aujourd'hui, les amis, vidéo découverte de Dakar Désert Rally. J'ai cru comprendre qu'il y avait Sébastien Loeb également dans le jeu. Ça a l'air vraiment pas mal, les graphismes également. De même que la physique du jeu. Voilà, donc ça régale. Installez-vous confortablement. Et alors, oui, tout à fait. Je vous explique, il manque la cinématique. Bienvenue au Dakar Désert Rally, partenaire. En tant que copilote et navigateur, je suis là pour t'aider à remporter la course. Je lirai les notes du roadbook. Si tu suis mes instructions, on franchira la ligne d'arrivée. Pas de problème. C'est parti, partenaire. Pas de problème. Il faut accélérer le rythme. Oh, je fais pire que tout à l'heure. Restez sur les traces. Alors, je vous explique en fait. Il manque la cinématique de début parce que j'avais déjà commencé à jouer au jeu il y a 3 minutes. Mais le record n'a pas fonctionné. Alors, je m'en suis rendu compte assez vite, heureusement. Mais voilà, mais c'est pas possible. Le record n'avait pas fonctionné. Et je roulais d'ailleurs mieux que ça, mais c'est pas grave. Et vous inquiétez pas, hein, vous avez rien loupé en vrai de vrai. Virage serré à droite en approche. Danger 1. Vous avez pas loupé grand chose. On peut activer les essuie-glaces, on peut allumer les phares, on peut changer de vue, c'est incroyable. 4345. Ça régale. La vue hélicoptère aussi elle est folle, regardez. 20 km. Restez sur les traces. Voilà, magnifique. Absolument magnifique. Allez, hein, c'est une sortie de route. Paf, le palmier, je suis mort. Voilà, ça régale. C'est impeccable, mourir dans le désert, dans d'atroces souffrances. Et voilà, et à partir de là, on change de véhicule parce que c'est le tutoriel. Donc on est sur une belle moto, magnifique Honda. Voilà, donc là tout pareil, je me prends la bagnole, ça m'est arrivé tout à l'heure. Et à partir de là, je m'étais rendu compte que je ne filmais pas, tout simplement. Bon bah c'est pas grave, vous avez juste raté la cinématique de début qui était magnifique. Mais bon, c'est pas grave, je pense qu'on en aura d'autres. De toute façon, ce n'est que le tutoriel. Donc voilà. Et je suis en train d'allumer la voiture là, c'est incroyable. Attendez, si je change de vue là. Oh. Oh, c'est superbe. Oh, c'est superbe. Roulez. Incroyable. Oh, on peut faire des stunts. Hop là. Impeccable. Ça régale. En tout cas, installez-vous confortablement les amis. N'oubliez pas le pouce bleu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà ce jeu ou pas. Quoi? Bah, il est passé où le pilote? Ah bah, il est tombé. Bon, bah frérot, faut rester sur la moto quand même. Un petit effort tout de même là, Ricky. Ricky Brabec. Alors, si je dis pas de bêtises, ce sont des vrais pilotes Dakar. Si je ne m'abuse, puisque comme j'ai pu constater qu'il y avait Sébastien Loeb, ce qui m'a vraiment donné envie pour le coup. Hop là, on fait du hors-piste, ça régale. Oh là là! Donc voilà, en tout cas, pour cette découverte. Et franchement, niveau graphisme, je suis très très agréablement surpris. Bon, on est vraiment sur la même édition que SnowRunner. Faut que j'aille où, là? Mauvais sens. Ah, faut que j'aille là. Salopard. Voilà, on est vraiment sur du SnowRunner. Et même niveau, visiblement, maniabilité, c'est plutôt pas mal. J'aime vraiment ce qui dégage. Ah, nouvelle cinématique que je découvre. Oh waouh, wow, oui, on change complètement de décor là. On est plus dans le désert, c'est quoi cette histoire là? On est plus dans le désert là. On est en Alaska, c'est pas possible. On est sur Far Cry 4, incroyable. Oh, ça c'est du véhicule. Ça c'est du véhicule et on est 3 dans le camtar là. Il y a Martin Masik, Alès Lopreis et Ignacio Casal. Ok, je quitte la piste. Ok, attention. On évite de se retourner quand même. Et ce jeu m'attire presque plus que Forza. Alors c'est pas la même expérience de jeu, mais déjà là ça m'attire plus que Forza.
Je saurais pas vous expliquer. À droite sur la piste. Bon, mais ma foi, c'est cool. Bon. Oh non, je me fais rattraper. Je me fais rattraper. Waouh, c'est magnifique. Très joli ça. Très joli. Et ça rafraîchit la neige, n'empêche, parce qu'il faisait chaud avant. Hein. Ah, impeccable. Ça, c'est le genre de truc qu'on adore. Comment foutre en l'air toute la course. Impeccable. Impeccable. Et voilà, dommage, je finis dernier. Et il m'a même pas validé mon arrivée. Bon, voilà, ça c'est... Ça fout le seum, ça. Ça fout le seum, messieurs, dames. Mais dégage. Doucement, tout doux. Essayons de finir en un seul morceau. Eh, tu me parles meilleur, toi. Ah, j'ai trop le seum. Incroyable, on est dans les trois premiers. Tu m'étonnes. Oh, c'est nul. Bon, c'était le tutoriel, on s'en fout, hein. Oh, c'est nul. Ah mais non, c'était les autres concurrents, les autres, d'accord. Mkolo, ouais, je suis deuxième, ouais. On sait pas comment, mais... Ah oui, parce qu'il y en a qui ont pris 13 minutes. Voilà, est-ce qu'on a Sébastien Loeb? Il n'est pas là. Très bien, continuez. Et on atteint déjà le premier niveau. Impeccable. Bienvenue au garage. Vous avez obtenu suffisamment de points d'expérience pour avoir votre propre garage. Vous avez gagné le premier tour de qualification du Dakar Desert Rally et vous avez remporté 500 points Dakar. Ah, j'adore la musique par contre, on se croirait dans Stargate. Vous connaissez Stargate? Oh, dites-moi que vous connaissez Stargate. Oh, c'est incroyable, j'ai les frissons. On peut acheter auto, moto, camion, quad, SXX. Donc j'imagine avec ça tu peux tout faire, tu peux même voler. On va partir sur de l'auto bien sûr. Et donc nous avons 500 DP. Et là tu vas me dire que ça c'est gratuit. Ah ouais, tout ça c'est gratuit. Ah mais après c'est des bagnoles classiques quoi. Bah écoutez, c'est parti, on va la prendre. Chaque rallye n'est sport. Voilà. Voilà, trop de blabla, ça y est, trop de blabla. Bah on va partir en mode professionnel. Hein. Bah ouais, on est des ouf nous. Maintenant que vous avez défini votre mode de jeu, sélectionnez l'événement. Ok, j'ai choisi l'événement que je veux. Donc là, je pense que ça va être un peu comme Forza. Ouais, ça va être un peu comme Forza dans l'idée. Oh waouh, oh, c'est incroyable. On est dans le désert. T'es dans le désert. Putain, la map est gigantesque en plus. Ah oui, la map est vraiment gigantesque. Putain, c'est marrant ça. Oh, c'est fou. Très très fou. Bon, je peux rien faire de tout ça. Par contre, je peux faire ça là, nouveau. Qualification Dakar. Voilà, il faut peut-être se qualifier avant de vouloir... voilà. Oh, la récompense, une 205. Wesh. Je la veux. Bien sûr, je la veux. Nous avons 31 km, 45 mètres d'altitude maximum. On est sur la terre, un temps ciel dégagé, 38 degrés maximum. Bah comme aujourd'hui je tourne cette vidéo. Ah non, il fait 31 degrés, on va se détendre. 76% de terre. Stylé. Stylé. Il s'agit d'un campement où vous pouvez dormir. Ah ouais, il y a un bivouac et tout. Oh là là. Non mais c'est ce jeu est légendaire. Je suis passé à côté de ça là vraiment. Démarrer l'étape, entretien du véhicule, régler le véhicule. Alors déjà on va regarder le roadbook. Oh, c'est si complet. C'est si complet. Donc là on a les waypoints, 24 waypoints. Là on voilà, on a les virages. Alors moi je m'y connais pas en rallye réellement hein. Mais je me demande si techniquement c'est exactement comme ça. Parce que j'y comprends rien. Et c'est super stylé. Très bien, entretien du véhicule. Bon évidemment tout est à 100%, elle est neuve l'auto. Elle est complètement neuve l'auto. Donc, je peux pas faire grand chose. Régler le véhicule. Voilà, c'est là que ça va être très intéressant. Je peux... Ah ouais, l'alignement. Non, sérieux. Angle de braquage. Bon, je vais pas toucher tout ça en vrai. Suspension. Oh là, mais c'est incroyable. On va laisser basique je pense. Par contre la hauteur, vu que en vrai je pense que c'est pas trop cabossé pour cette première course.
Je croyais que c'était une musique de Call of Duty d'un coup là. Donc je vais un petit peu baisser parce que au moins le point de gravité sera un peu plus bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et bon, ça on s'en fout, ça on va laisser. Allez, on va démarrer. Qualification Dakar, c'est l'étape la plus importante de cette vidéo, bien sûr. Je suis contre des Brésiliens, des Africains, enfin Sud-Africains, des Espagnols, des Français. Sébastien Loeb, je suis mort. Et je suis en première position. C'est trop stylé. Il y a Sébastien Loeb. Alors, désolé, hein, Pierre Lachaume et Mathieu Serradori sont certainement très connus. Mais moi, je ne suis pas le rallye, je ne connais pas. Romain Dumas, ah, par contre, ça, ce nom me dit. Ah, c'est incroyable, il y a tout ce monde-là. Hein. Donc, des vraies personnalités avec leurs vraies équipes, j'imagine. Bah, attends, ça va être vidu. Sébastien Loeb, j'ai pas fait gaffe. Sébastien Loeb. Bahrain Red Extreme. Ah non, c'est une Hunter T1. Bon, moi, j'en ai aucune idée en fait. Allez! Ça part, on se met sur la piste. Oh, c'est trop stylé. France TV Sport. Ah, mais tu m'étonnes. Je comprends un petit peu mieux finalement le... Pourquoi le jeu est si quali finalement. C'est vrai, plus c'est arcade mais simulation quand même quoi. Expérience en tant que professionnel. Ça marche. Cela signifie que vous devez naviguer comme lors d'un vrai rallye raid. D'accord. Avant de vous lancer, écoutez bien ce que je vais vous enseigner. Dis-moi tout, Bichette. Ah! Non merci. 5, 4, 3, 2, 1. Allez. C'est parti. Ça part. 1 km. Souhaitez-moi bonne chance. Attention, danger 1, boss caillou sur la droite. Ah oui, il y a des boss quand même. J'aurais peut-être pas dû baisser les suspensions autant, mais c'est pas grave. Serré à droite. Oh, des ballons! Incroyable. 1 km. Restez sur la piste. Attention, danger 1. Boss. OK. Franck du boss. 1 km. Virage à droite en approche. Attention, danger 1. Ah oui, en effet. À droite sur la piste. Sinueux. OK. 1 km. Doucement. Virage à gauche en approche, entre les arbres. En plus, on voit pas les waypoints, donc faut bien écouter ce qu'il dit vu que je suis en mode professionnel. À gauche sur la piste. Toujours à gauche. OK, on suit la route pour le moment. Continuez sur la piste. Attention, danger 3, saigné. Danger 3, saigné. OK, ça veut dire on freine. OK. Kilomètre. Attention, danger 3, boss entre les cailloux. Entre les cailloux. Danger 3, cuvette. Passer la cuvette. Elle est là. Oh oui, la cuvette. Incroyable. Serré à gauche. Attention, danger 1, boss. Serré à gauche. Serré à gauche. Serré à gauche, bien sûr, l'autre gauche. Ah 2 km, virage à droite en approche. Ça va, je reste. Danger 3, étroit, entre les arbres. Je reste sur la piste. Ah. Je suis déjà au 8ème waypoint, le 9ème qui arrive. Impeccable. C'est par ici, c'est par ici. Oh, par contre, j'ai du mal. À droite sur la piste, danger 3. Je sais pas où elle fera à main en fait. 1 km, virage à gauche en approche. Attention, danger 1, caillou. Garde le cap. Oh, c'est beau. C'est à gauche ou pas? Oh non, j'ai pas validé des waypoints. 4327. Non, j'ai pas validé un waypoint. Comment c'est possible? Attends, c'est pas possible. Dernier waypoint. J'ai pas compris là. Faut que j'aille là? 1 km, virage à gauche en approche. Attention, oui. Danger 1, caillou. Oui. Garde le cap. Mais quoi? Non frère, c'est trop, il me dit d'aller à gauche alors qu'il faut aller à droite. J'ai compris. 1 km, virage à gauche en approche. Virage à gauche. Danger 1, caillou. OK. Et donc là, faudrait que j'aille. Garde le cap. Mais non, mais oh frère, je vais péter un plomb. J'ai compris. Faut que j'aille à droite alors. 1 km, virage à gauche en approche. Attention, danger 1, caillou. Bon, c'est écrit en bas à droite, mais bon. Cap 242, caillou. OK. C'est pas évident hein. C'est pas évident. Garde le cap. Mais quoi, garde le cap? Mais va te faire enculer, qu'est-ce qu'il me fait lui? Attends, faut que j'aille où là? Bah, je peux pas faire grand chose là. On s'éloigne de notre cap. Ouais, frère. Non, là, tu me fais péter un plomb là. Faut que j'aille tout droit alors. Allez. Allez. Ouch, c'était violent. C'est bon, t'as kiffé? Continuez sur la piste. Danger 2 sur toute la note. Oh, 1 km. Attention, danger 1. Boss, caillou. Ah. Attention. Ah. Ah, elle est là la piste. Restez sur les traces, quittez la piste. Boss, caillou, à droite vers la piste. OK, quittez à droite. Danger 3, boss. 1 km, virage à droite en approche. Eh, hey, j'ai danger... Oh non, j'ai crevé la roue. OK. Bon bah tout réparé. Allez, pénalité de 22 minutes, tu m'étonnes. Ah, c'est bien fait ça. C'est très bien fait.
tout droit. Cap 156, descente, bosse. 1 km, serré à gauche. Ouais. Serré à gauche. Cap 172, caillou. Virage à droite en approche. Ok. À droite vers les traces. Quittez la piste. Parfait. Cuvette. Ah, ça demande une concentration extrême. Virage serré à gauche en approche. Ok. Continuez sur les traces. Danger 3. Hop là, la bosse. Bien vu. Oh purée. Virage serré à gauche en approche. Okay. Attention, danger 3. Caillou. Oh là. Tout droit sur les traces. Danger 3. Oh non. Adieu. Tu devrais être plus prudent. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, si tu me donnes pas les bonnes infos aussi. Faut que j'aille où là? Là-bas? 1 km, virage serré à droite en approche. Attention, danger 1, caillou, arbre sur la gauche. Maintenant, cap 58, hors piste, quittez trace, caillou. Ok. Ça devait être là. Ça devait être là. Oh là 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 là, quel enfer. Quel enfer. C'est vraiment pas évident. Hors piste, danger 3, dune. 1 km, okay. Virage serré à droite en approche. Attention, danger 3, dune. Par contre, ce qui fait plaisir, c'est qu'on puisse pas redresser en l'air le véhicule. Donc ça, au moins, cap 152, hors piste, danger j'en peux plus des jeux où tu peux redresser en l'air le véhicule. C'est horrible. 1 km, virage serré à droite en approche. Je sais pas où je dois aller là. Le cap n'est pas dans cette direction. Oui, allez, allez, va t'asseoir là, frère. Sérieux. 1 km, virage serré à droite en approche. Ah bon? À quel moment? Ah là. Ok. Maintenant, cap 239, hors piste. 1 okay. km, virage serré à gauche en approche. Ok. Gauche serré vers route. Ok. 2 km, continuez sur la route. Cap j'ai l'info. C'est pas facile. Mais ça se fait. Alors, j'ai 3 minutes 30 de pénalité. Plus les réparations de 22 minutes. Une bien meilleure course. Donc, je suis qualifié, mais je finis 37ème. Ce qui est absolument dégueulasse. Il est où Sébastien Loeb? C'est ma seule référence. Et ben alors Sébastien Loeb. Je suis dernier, bien sûr. Ah, ça c'était clair. Ah ouais, les mecs ils terminent en 14 minutes. Et moi j'ai terminé en une demi-heure. Allez, ça régale. Bah mais ça c'est la réparation aussi. Bon bah voilà. Qualifié comme une merde, mais c'est pas grave. Ça fait plaisir. Félicitations. Oui, félicitations, ouais. J'en veux pas de tes félicitations. Donc là, j'ai un garage. Je peux avoir 3 véhicules dans le garage. Donc je peux aussi m'acheter une moto si je veux. Et là, ça rigole plus. Là, ça rigole plus, d'accord. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Mais je vais pas te mentir que l'aéro, là. 450. C'est tous des 450, ok. Des 450, comme on dit dans le jargon. Allez hop, j'achète. Boum, et ensuite je peux aussi acheter, je sais pas moi, un camion. Bon, je vois pas trop le. J'ai pas envie. Et ça, je ne connais pas, je pense que c'est pour faire un peu de tout dehors, du hors-piste et tout, dans l'eau, machin. D'accord. Entretien de véhicule, donc là je peux faire une nouvelle course. Et là je peux passer en mode sport, donc c'est plus facile. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. On va se faire une petite course plus facile. Voilà. Desert Wings Rally, ah, on peut voir les tracés de la course, c'est cool. Red Sea Rally, oh c'est stylé, je vais faire. Bon, c'est une petite course, hein. C'est une petite course. Ça, ça a l'air d'être une grande course. Ouais, alors celle-là, Train Odyssey Rally, vas-y. Ah, parce qu'en fait, t'as plusieurs étapes. Ah, oh, mais c'est dans la neige. Oh, la flemme. Neom. C'est genre, c'est là que. Ah ouais, d'accord, ouais, bon, j'ai compris. D'accord, Red Sea Rally, vas-y. Ça j'aime bien. Je peux pas faire en moto? Je peux choisir mon véhicule ou pas? Ah, impeccable. Allez, c'est parti mon ami. En plus il pleut, oh, terrible. Terrible les amis, Dubaï. Et non pas Dubaï. Attention messieurs dames. Là on a des pilotes là aussi en face de nous. Des américains également. Allez, on arrive en piste. Là, la moto, ça me connaît. Attention. Là, c'est pas le même colo. Hein. Allez, Dakar. Y'a pas un petit panneau Grand Utopia là? Petite pub. Putain, les roues. Les salut, pneus, ils sont déjà enfoncés dans le sable. Ceci est votre première expérience dans le mode sport. Ouais. Avant de vous lancer, écoutez bien ce que je vais vous enseigner. Non, c'est bon, t'inquiète. En vrai de vrai, maintenant, je suis un professionnel en fait. 3, 2, 1, roule B. C'est parti.
let's go. Ah, ils vont déjà trop vite. Ils vont déjà trop vite, eh. Comment vous faites? Moi je peux pas aller aussi vite que vous là. Oh là, c'est trop stylé. Je crois que je vais kiffer ce jeu, mais que pour la moto. Parce qu'en fait, faut savoir que quand j'étais petit, j'adorais jouer à des jeux de motocross, mais tout pourri, hein, de l'époque et tout. Et là, je m'y retrouve là, tu vois. Pourquoi je l'ai suivi? J'aurais pas dû, j'aurais pu couper. Là, je m'y retrouve, franchement. Alors, je pense qu'il doit y avoir plein de jeux qui existent aujourd'hui de motocross. Mais est-ce que vous me confirmeriez pas que là, je suis mort? Est-ce que vous me confirmeriez pas que ce jeu est un bon compromis pour faire de la motocross? Franchement. Super stylé. Bon, malheureusement, voilà, je me suis bien viandé comme il fallait. Mais bon. Pas grave, hein. C'est comme ça, hein. Je vais finir dernier, de toute façon, j'ai compris, hein. C'est peut-être ça aussi qui est un peu frustrant, c'est qu'il n'y a pas moyen de se rattraper. Ah mais j'ai plus de pneus. Ah je me disais bien que je pouvais plus tourner. Ah je suis mort. Remets les roues. Oh non, je perds tellement de temps. Mais non. Oh putain. Salaud va. Allez. Je suis huitième, je suis pas dernier. Je suis avant-dernier je crois. Non je sais plus combien on est. Tout n'est pas perdu, mais ouais c'est très frustrant parce que là tu peux pas rattraper ton retard quoi. Merde, j'ai pas regardé où je devais aller. Ok. On y va en douceur. Ça passe. Sans aucun problème. C'est une technique là que je fais. C'est une technique ancestrale. Ça permet de couper à travers champs. Voyez-vous. Ah mais y a pas que des motos en plus. Y a un camion. Wesh, on peut... Mais non. Mais pourquoi il y avait un palmier ici? Pourquoi? Mais non. Bien sûr j'ai plus de roues. Allez répare tout. De toute façon les pénalités, j'ai compris, je finis dernier. C'est pas vrai. En plus c'est là qu'on a commencé le jeu tout à l'heure, non? Oh je suis frustré, ça y est. Ah tout à fait. Oh non, faut que je choisisse gauche droite. Mais nique ta mère en fait. Non, c'est improbable. C'est improbable. Ah bah au moins mes pneus n'ont pas crevé. Et ça c'est chouette. Je suis encore pas dernier là? Bizarre ça. Bon bah voilà. Bah j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Étape non terminée, vous n'avez pas terminé en top 8. Ouais mais au moins je suis pas dernier. Ah j'ai trop le seum. Ah on peut revoir la partie. Incroyable. Genre on a un replay sur nos actions débiles. C'est cool. Ah ouais. Ah c'est top, c'est moi qui roule. Et du coup là je peux mettre genre la vue Oh c'est superbe. Tout gueule caméra libre. Mais non. C'est nul à chier. On peut changer de filtre. Ah c'est top. On peut rechercher des étapes. On peut enlever l'interface. Et alors là on a des plans de ouf. Et là j'avais plus de pneus je crois. Là j'avais plus de pneus là. Oui, et puis je m'en étais pas rendu compte encore. Ouais parce que là je faisais un tout droit en fait. Je faisais un tout droit et je m'en étais pas rendu compte. Et puis là je crois que je m'en suis rendu compte maintenant, non? Voilà, tout à fait. Et hop là, le pneu est réapparu. Incroyable. Et c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Alors pas mon gameplay mais le jeu est vraiment cool. Je crois que je vais bien m'amuser dessus en vrai, tranquille. Surtout pour la motocross. Ah bah c'est top. Ah bah je suis bien content d'avoir découvert ça avec vous. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo test. Et je vous ai peut-être fait découvrir le jeu ou non, hein. Peut-être que vous le connaissiez déjà. Alors là on voit le moment où je suis allé tout droit, tu sais pas pourquoi. Ah c'est excellent. Ah je peux tourner la caméra. Je peux tourner la caméra de l'hélicoptère? Oh non, pas vraiment. Ok, ah bah c'est super stylé en tout cas. Bref, n'oubliez pas le pouce bleu si vous avez kiffé. Le pouce rouge si vous avez pas kiffé. Et puis on se retrouve très vite. C'était Mkolo, ciao tout le monde. Qui fait cette vidéo d'Mkolo, alors mets un like. Si tu veux soutenir davantage, écris dans le chat. Ton petit commentaire qui fait plaisir, c'est un pur bon.